Je vais leur montrer la différence entre un combattant du Hezbollah et puis un espèce de bignol de Tsahal. J'ai répondu à la proposition, je me mets en condition, j'avance et j'espère que l'autre ne va pas trop me décevoir. Le raptor, grande gueule et petits bras, c'est la bestiole est comme ça. Cher Alain, ce stage de préparation au combat dans le sud de la France, qu'en as-tu pensé et qu'est-ce que tu peux nous en dire? Bah, y avait plusieurs options. Bon, bah déjà, dès lors qu'on a accepté ce défi, c'est aussi un prétexte pour que j'aille m'entraîner dans des conditions un peu différentes. Comme vous le savez, je m'entraîne régulièrement à Paris, toujours dans les mêmes conditions. Je marche sur du bitume bien plat, je prends ma moto, j'arrive dans une salle traditionnelle, je fais la corde, je fais tout ça. Et on voulait changer un peu, donc il y avait deux choses à changer. C'est la notion de cage, puisqu'il se trouve qu'on est allé dans un endroit où il y a une cage. Le fait aussi de travailler un peu les saisies et le sol, à minima, puisque là je suis plutôt sur du défensif, quoi, au cas où quelqu'un essaierait de m'attraper, si je ne l'ai pas percuté avant. Et puis après, il y avait l'idée effectivement de mise en condition physique un peu différente. Et là, on est allé chez Marco, qui, comme les gens ne le savent pas forcément, a des yourtes, hein, on dit bien des yourtes, à 1000 mètres d'altitude dans les Pyrénées. Et là, on est vraiment dans un cadre sauvage. Et là, l'idée, c'était l'entraînement à la Rocky, là, je ne sais plus lequel, hein, c'est-à-dire de se servir des éléments de la nature pour travailler un peu différemment. Et puis après, on s'est servi des éléments ici, hein, c'est-à-dire le bio avec la hache, soulever la charrette, puis il y a aussi quelques petits équipements quand même, un peu de sac. On a fait du sol dans l'herbe, on aura quelques images, hein. Mais je dois dire que c'est une rupture complète avec l'entraînement en salle et ça fait du bien. Et ce qui m'intéresse, c'est le réel, quoi, la confrontation réelle, parce que pour l'instant, il y a eu beaucoup de blabla dans le virtuel. Je pense qu'il y a une vraie leçon de morale à donner, c'est que c'est un peu facile de dire des bêtises, de provoquer, d'insulter à distance. Et c'est d'ailleurs, c'était la première fois que j'avais fait un peu de pédagogie, c'était avec le Conversano, et c'était pour montrer que dans le réel, c'est différent. On a bien vu. Et aussi l'idée de réhabiliter le duel, c'est que si les gens comprenaient qu'à un moment donné, il faut assumer ce qu'on dit et l'assumer physiquement, peut-être que les gens seraient plus polis et un peu plus mesuré dans leurs paroles. Alors là, avec les youtubeurs, on est parti dans autre chose. C'est d'ailleurs la même chose que les clashs de rappeurs, tu vois, ça ressemble beaucoup à la racaille, tout ça. C'est-à-dire, on parle beaucoup, on fait beaucoup de cirque, en pensant d'ailleurs que c'est que du buzz, qu'il n'y a pas de réel derrière. Et moi, je suis un peu de l'ancienne école, et à un moment donné, quand on me manque de respect, qu'on parle de ma femme, etc., j'ai envie de voir comment ça réagit. En vrai, c'est-à-dire, j'ai envie à un moment donné, là, le petit, là, de croiser son regard, mais de près, là, en vrai, là, tu vois. Quand à un moment donné, il y a l'émotion qui joue, l'émotivité, où là, il n'y a plus de cirque, il y a ce qu'ils appellent l'adrénaline, là, je ne sais pas trop ce que ça veut dire, mais en fait, la manière dont tu gères l'émotionnel avant que ça parte. C'est au moment où tu sens que ça va déclencher, s'il va y avoir ce qu'on appelle connexion, ça va connecter, et de voir... effectivement, qui reste debout, qui a du mal à rester debout, qui les prend, qui les prend pas. Et le problème, c'est qu'à un moment donné, ils sont sur un terrain qui s'appelle la politique, avec quand même des choses... quand un type me dit qu'il est sous prétentionniste et que je vois ce qui se passe à Gaza, que des types s'amusent à tirer sur des femmes et des gosses, comme si c'était du baltrap, ça me fait pas rire du tout, tu vois. Et j'ai un peu envie aussi de combattre pour la Palestine, tu vois. En face, ça sera de Sahel, tu sais, les mecs ont des couches culottes dans les Krav Maga, et moi, je me battrai avec le Hezbollah, tu vois. Ça sera, c'est une autre approche. Non, c'est dans les couilles. Non, mais allez, tape pour de vrai. T'as rien dans les, bras, toi. T'as une vraie gonzesse. Allez, vas-y. Allez, vas-y. Non, mais oui. Mais oui. C'est tout ce que t'as. Change de côté, je vais te rejoindre. Ça énerve, ça. Ouais, un peu. Non. Tu mets des claques, vas-y à toi. Ouais. Oui. Mais oui. C'est tout. Allez.
Mais oui. Mais oui, mon bébé. Allez, m'appuie maintenant. Il se cache. Ah, c'est le premier qui abandonne. C'est ça qu'il faut garder, c'est ça. Les trucs de gamin, tu sais.